9e journée de Top 14 et déjà la pression pour le champion de France Montpellier. Le MHR reste sur 4 défaites et reçoit l'équipe en forme du moment, le Stade français, renforcé par le retour de blessure de son maître à jouer Morgan Parra. Philippe Saint-André, le coach des Cistes, est donc prévenu. C'est Montpellier qui se met rapidement en action dès la 7e minute. Louis Carbonel s'infiltre dans la défense des Parisiens avant de servir Anthony Boutier. Il manque un mètre à l'arrière pour franchir la ligne, mais les soutiens sont présents. Les avants prennent le relais et c'est Alexandre Béconnier qui trouve l'espace pour le premier essai du match. On revoit toute la puissance du troisième ligne pour mettre son équipe sur de bons rails en ce début de rencontre. 7-0 pour le MHR qui continue de faire mal aux joueurs de Gonzalo Quesada et les pousse à la faute. 4 de suite même, qui envoie Baptiste Pesenti sur le banc pour 10 minutes. Sur la pénalité qui suit, Louis Carbonel ajoute 3 points. Le MHR mène 10-0 après 21 minutes, sous les yeux d'un fulgent Souedraogo en mode Halloween. Mais Paris est en confiance depuis plusieurs semaines et ne lâche rien. Les Parisiens obtiennent à leur tour une pénalité. Et Nicolas Sanchez ne manque pas l'occasion de ramener le score à 10-3. Puis 10-6, avec cette nouvelle faute au sol des Héraultais. On joue depuis à peine plus d'une demi-heure et Paris revient dans le match 10-6. C'est le score à la pause et tout reste à faire pour les deux équipes. Comme en première période, Montpellier démarre fort en seconde mi-temps. Les assauts s'enchaînent, mais consument peu à peu la défense adverse. Sur l'aile opposée, c'est Vincent Rathès qui profite du décalage pour inscrire le second essai du match. On joue seulement depuis 7 minutes dans ce second acte et Montpellier reprend de l'avance grâce à cet essai en coin de l'ancien ailier Rochelet. Nicolas Sanchez est déçu. Olivier Azam, de son côté, est plutôt rassuré et le MHR mène 17-6 avec la transformation de Carbonel. Puis 20-6 avec une nouvelle pénalité. Paris va alors réagir à l'heure de jeu. Après avoir feinté la mise en œuvre d'Amol, Abel Köfner sert Van der Mecht sur le petit côté pour le premier essai du Stade français. On revoit cette très belle combinaison exécutée à la perfection et qui rapproche les Parisiens à 20-13. Paris, habitué à bien finir ses matchs, remet donc la pression sur les Cistes. Les buteurs prennent ensuite les choses en main pour faire évoluer le score à 23-16. Après la sirène, le Stade fait le forcing en bénéficiant d'un avantage. L'action n'aboutit pas et Paris va devoir faire un choix. C'est finalement la tentative de pénalité qui est privilégiée et Joris Segond arrache le bonus défensif pour son équipe. Score final 23-19. Le MHR remet la marche avant dans ce championnat après 4 défaites. Pour le Stade français, c'est un nouveau bon point à l'extérieur qui maintient les Parisiens dans le haut du classement de Top 14.